Je crois que les étudiants présentement au doctorat ou au postdoc vont être appelés à obtenir des postes de gestion surtout. Donc, gérer du personnel, gérer notre budget, communiquer avec les experts comme les médias. Les étudiants, dans le cadre de la réalisation de leur thèse de doctorat, vont développer des compétences qui sont dites disciplinaires. Nous, dans notre centre, on permet à ces étudiants de développer d'autres compétences qu'on dit transversales, qui sont des compétences qui vont leur permettre d'améliorer leurs habiletés en recherche, leur capacité de communication à l'oral, à l'écrit, le professionnalisme, l'éthique, le management, ainsi que du leadership. Qu'est-ce qui va faire la différence d'un candidat par rapport à l'autre candidat? C'est la manière dont l'étudiant va pouvoir se vendre, les compétences qu'il a acquises, les compétences qu'il va être capable justement d'extrapoler, si c'est un bon orateur, si c'est un bon communicateur, s'il est capable de démontrer qu'il peut travailler en équipe, qu'il est efficace, qu'il a du leadership. L'employeur va vraiment favoriser cette candidature-là. Nos étudiants proviennent des différentes facultés de l'université. Donc, un cadre interdisciplinaire, multidisciplinaire, permet d'offrir aux étudiants différents points de vue sur une question donnée. Ça a aussi un avantage, je dirais, majeur. Le fait de travailler avec des gens de d'autres disciplines, ça l'oblige les étudiants à vulgariser leur projet de recherche et utiliser des bons mots pour pouvoir bien expliquer leur science. Nos formateurs proviennent d'un peu partout sur le campus. D'une part, ce sont des professeurs et chargés de cours des différentes facultés, mais aussi on a des experts qui proviennent de l'industrie, du gouvernement, qui viennent rencontrer les étudiants et partager leur expertise. C'est sûr, on est au doctorat, mais on ne sait pas si on travaillera en industrie, on ne sait pas si on travaillera dans une université ou alors dans un programme, même dans une ONG. Donc, le fait de voir des gens qui viennent de partout avec des compétences différentes nous permet d'avoir plus de connaissances, d'avoir une très bonne ouverture d'esprit et peut-être, pourquoi pas, être plus compétent. Les approches pédagogiques et les méthodes pédagogiques qui sont utilisées dans nos formations sont, je dirais, plutôt innovantes. On va miser sur beaucoup la discussion, la mise en pratique de situations. Parfois même, c'était un peu de jeu de rôle, en fait, où est-ce qu'on se mettait dans la peau d'un inventeur ou d'un avocat. On essaie de sortir des recettes qui sont toutes faites. Oui, on va aborder la théorie, mais on va vraiment la pratiquer. Les étudiants qui suivent nos formations ont un impact certain sur comment ils agissent en laboratoire ou lorsqu'ils réalisent leur thèse de doctorat. Les professeurs ou les directeurs dont les étudiants ont participé à nos activités sont fortement impressionnés par le rendement de leurs étudiants pour la confiance en soi. C'est déjà aussi quelque chose qui est important. Parfois, on a des choses enfouies en nous. On ne sait pas qu'on les a. Et le fait de suivre des cours nous permet parfois de voir « Hey, j'avais ces compétences, je suis plus animé par tel truc au lieu de tel autre. » Moi, par exemple, aujourd'hui, je sais exactement comment est-ce que j'aimerais être comme chercheur, quel type de recherche j'aimerais avoir et comment est-ce que j'aimerais manager mon équipe de recherche. Là, ce sont des connaissances qui, moi, me seront utiles après dans ma future carrière.